suis ministre, je suis aussi une mère de famille et je dépose tous les jours ma petite fille à la crèche comme des milliers de Français. Et non, on ne crée pas des générations et des générations d'enfants maltraités parce que nous sommes des parents qui déposons nos enfants à la crèche le matin. Mais à force de vous entendre, à force de laisser penser que dans les crèches, il n'y aurait que maltraitance et souffrance, vous n'arriverez pas à recruter. La pression est vraiment très forte. La pression est très forte à plusieurs niveaux. Le premier, c'est de la part du financeur principal des structures d'accueil du jeune enfant, c'est de la CAF. J'ai des images moi, qui reviennent sur mes temps en crèche. À l'heure du repas, laisser un enfant pleurer parce qu'il n'y a pas assez de bras. Donc il va devoir attendre son tour. Oui, il y a beaucoup de professionnels du secteur privé qui se plaignent des qualités de vie au travail, que ce soit parfois l'absence de salle de pause, l'absence de vestiaire pour ranger leurs affaires. Sur le temps du sommeil, si vous avez deux enfants qui se réveillent en même temps, peut-être que c'est compliqué de pouvoir aller s'occuper du deuxième. J'ai des scènes en tête où on doit bercer un enfant peut-être avec le pied, deux enfants qui sont sur des transats avec le pied, et je donne le biberon à un enfant dans les bras. Ça, c'est pas que des images qu'on voit sur les pancartes pendant les manifestations. Il faut revoir le taux d'encadrement. On a dénoncé à la CGT un taux d'encadrement qui mettait à mal les conditions de travail, qui était générateur de troubles musculo-squelettiques, de troubles psychosociaux importants. Sur la question des formations, il nous semble qu'on pourrait augmenter le nombre de stages dans le cadre notamment du diplôme d'oxypuère, par exemple, mais aussi d'intégrer dans la formation initiale la question de la bientraitance, de la prévention des dysfonctionnements qu'on a pu connaître.